Shalom, 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 bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse encore ce matin. Voilà, nous sommes là pour précéder l'aurore, nous sommes là pour passer du très très bon moment dans la présence de Dieu. Nous sommes aujourd'hui avec Pasteur Honorine, shalom, Pasteur Honorine. Shalom, apôtre. Shalom à toi, Divine Alliance, à Bruxelles, à Liège, partout dans le monde entier. Shalom à toi, précédeur ou précédeuse de l'aurore. Donc, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce matin. Nous voulons passer des bons moments ensemble. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Vraiment, je te dis merci, toi qui es là. Je te dis merci parce que tu as l'habitude maintenant de rester. Je te dis merci parce que tu as invité des gens et ces gens-là sont restés. Je te dis merci parce que tu es fidèle à cette émission. Je te dis merci parce que tu crois à la parole qui sort dans cette émission. Je te dis merci pour la confiance que tu nous fais parce que tu crois à notre ministère et tu crois que les choses que nous disons ne viennent pas de nous, mais ça vient de la part du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes dans la joie de vous retrouver parce que sans vous, nous ne savons rien faire. Nous ne savons pas faire cette émission. Mais en tout cas, le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Vous êtes nos évangélistes et quand vous parlez de la part du Seigneur de cette émission, laisse-moi te dire que vous ne serez pas déçus. Dieu va vous le rendre. Que cette journée soit meilleure et que le débat que nous avons commencé, que j'ai raté déjà peut-être, va continuer aujourd'hui, homme de Dieu. Oui, bien sûr. Moi, je voulais tout d'abord, avant toute chose, saluer Les gens qui sont déjà tous rentrés. ceux qui sont déjà connectés. Je voulais dire shalom à toi, maman, merci, Makengo. Je ne sais pas si tu es déjà de retour à la maison ou bien tu es toujours là où tu étais. Donc, de toute façon, que Dieu soit béni parce qu'il est au contrôle de ta vie et il Amen. est au contrôle de ta santé. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je dis merci à Monsieur Gosselin et Jacques, mon autre Mundele. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman. Maman Cécilia, et ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, donc là, j'aurais besoin d'une attestation médicale avant que tu rentres à l'église parce que je dois savoir pourquoi tu as raté si beaucoup le séance de prière à Liège. Voilà. Donc, je dis merci à toi et shalom à toi, Mama Asta BL, donc Mama Bilonba. Que Dieu te bénisse et shalom à toi. J'apprécie ta présence. Shalom à Mama Belinda. Mama Belinda, Mama Belinda. Donc, c'est notre maman, maman de la TV La Foi en Jésus-Christ. Faïda. Voilà, Maman Belinda Faïda. Faïda. Donc, que Dieu te bénisse. Merci. Merci à toi pour ta présence. Nous saluons la présence de Maman Tabitha Mathilde. Nous saluons la présence de Maman Delly Simons. Et donc, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, nous saluons la présence de Maman Nicole Denis Simon, tu Mouipataï. connais, c'est qui? Ouais, je connais Maman Benny Simon, mais ça Ok. fait longtemps que je n'ai pas vu Ah. Maman. Maman, J'ai tout. maman, j'ai tout. Elle, Oui. ça fait longtemps que je le pas vu. Amen. Donc, je salue maman, j'ai tout. Shalom à maman Flore. Shalom à maman Nicole Mouipataï, comme je le disais. Shalom à toi, mon ami, mon frère, Louya. Donc voilà, que Dieu te bénisse. Nous sommes déjà ce matin dans la présence de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour maman Juliette, la gracieuse. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Nous saluons mon ami, mon frère, donc le frère Didier de Jésus. Tu connais Amen. Didier de Jésus, c'est qui? Ah bon, tu vois, tu connais pas, moi je le Amen. connais. Donc que Dieu bénisse le frère Didier de Jésus et maman bienvenue Je salue mon ami. ensemble. Que Dieu vous bénisse. Il y a Voilà. quelqu'un dans le Facebook qui s'appelle Verouska, tu connais? Verusca, Monsieur Verusca, Verouska. Monsieur Lui-même, il Verusca. connaît, il s'appelle Taylor aussi. Ah, Il donc, ah s'appelle oui, donc c'est Taylor. Monsieur Verusca. C'est Monsieur Verouska Ah, Taylor, il est ok, là aussi. ben, je ne savais pas que c'était lui. Donc, voilà, donc je salue la maman, Malah ou Thérèse. maman 5 étoiles, tu connais? Ah, maman 5 étoiles, c'est maman Nadine Mokwabili. Donc, Amen. voilà, maman 5 Parce qu'il étoiles. y a les noms sur Facebook qui ne sont pas les noms réels, alors pour associer le visage et les noms, c'est aussi un problème. Et tu connais le frère Eugène Soyengine. Ah oui, lui, je connais. Lui, c'est Ah, papa Nicolas. d'accord, ça va. Donc, nous Lui, c'est saluons papa Papa Nicolas. Nicolas, nous saluons Maman Loli Massamba, nous saluons Plus que vainqueur, Certa. Donc, voilà, donc ça, je ne sais pas c'est qui, mais que Dieu te Amen. bénisse. Amen. Voilà, donc, que Dieu nous bénisse. Et nous tous qui sommes connectés ce matin, c'est vraiment dans la joie. Nous Plus que saluons vainqueur, c'est Carla.
Carla. Ah, c'est Carla. Oui, Ok, Carla. ok, ok. Carla, la sœur de Verusca. Ah, ok, ça va. Donc, nous saluons la présence du couple Guy da Silva et maman Mamie. Mamie. Nous saluons la présence du couple Tania et papa Massamba. Nous saluons la Ça faisait présence longtemps que je n'ai pas de maman entendu. Nadine. Maman Nadine, donc Esther. Tu connais maman Amen. Nadine Esther? Amen. Oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, nous sommes là. Le plateau est là. Donc, nous sommes prêts et nous voulons décoller de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous. Merci. Vous êtes une bénédiction pour nous. Nous vous aimons. Maman Odette Fouissa, maman Odette Abobo. Donc, vous tous, maman Véro à Liège, en Allemagne. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes une grande famille. Nous coup précédons l'aurore. Maman Françoise Moussoko. Donc, voilà. Nous sommes là, nous tous. Et nous voulons passer du très beau moment dans la présence de Dieu, parce que la Bible nous dit, il est doux et agréable pour nous, le frères et sœurs, de demeurer ensemble. Gloire Gozo, que Dieu te bénisse pour ta présence ce matin, ta présence matinale. Maman Julienne Mabueni, nous saluons Dieu pour ta présence. Amen. Est-ce qu'il y a une personne que nous avions oubliée? Il y a des gens qui se connectent entre-temps, mais comme nous ne savons pas citer tout le monde, Gloire à Dieu. Donc nous allons continuer. on Donc, va dire les 5 premières minutes, on peut dire bonjour, on peut faire un petit coucou, mais après nous aussi nous courons derrière les Nous temps courons pour. derrière les temps. Voilà, donc essayez de nous comprendre. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous avons Pasteur Honorine avec nous. Donc nous étions en train de parler. Donc vous savez, quand Pasteur Honorine est là, on essaie toujours de revenir en arrière, parce qu'il y a des moments où elle est toujours absente. Donc voilà, donc Amen. et nous la comprenons, parce que c'est une maman, c'est une femme au Tout foyer. comme Déborah. Et oui, c'est aussi une pasteur. Donc elle a beaucoup de casquettes, elle a beaucoup de responsabilités. Donc on la tient pas trop rigueur. Donc c'est comme ça que parfois, quand elle est fatiguée, je la laisse dormir. Et quand parfois elle a d'autres occupations, donc on la comprend. Donc Amen. nous étions en train de parler de l'âme sœur. Est-ce que Amen. est-il possible que nous, tant qu'enfants de Dieu, nous puissions trouver l'âme sœur? Donc nous voulons dire la relation qui était entre le fait de trouver une âme sœur et la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu est dans le mariage. Est-ce que c'était possible de trouver la bonne personne? Quelles sont les démarches à suivre pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur, pour que nous puissions pas tomber dans une mauvaise personne? Et là, nous étions en train de parler. Nous étions dit que il était important que nous puissions premièrement nous connaître nous-mêmes, et nous puissions nous poser aussi certaines questions, de savoir est-ce que nous sommes prêts à nous engager Amen. dans le mariage. Nous avons dit que le mariage, c'est un projet de Dieu, un projet de Dieu. Et le mariage ne concerne pas des enfants. Le mariage, c'est quelque chose qui demande que tu sois adulte. Donc, quand Dieu a créé Adam, c'était pas le premier jour que Dieu a manifesté Ève. Dieu les a créés, mais Dieu avait caché Ève. Donc, il a entendu à ce que cet homme soit mature. Soit Il mûr. a, il a entendu à ce que cet homme soit mûr. Il a entendu à ce que cet homme puisse trouver un travail. La Bible nous dit, après avoir travaillé, après avoir Amen. nommé le créature, les animaux, le plante que Dieu avait mis tout autour de lui, et quand il s'est fatigué, il est allé s'endormir. C'est à ce moment-là que Dieu a fait ce constat en disant que il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu n'aime pas la solitude. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a dit, il faut que je lui crée une aide Semblable. semblable. Amen. Donc voilà, donc nous étions en train de parler du mariage. Nous nous sommes dit, est-ce que nous sommes prêts pour le mariage? Est-ce que je peux être un bon époux? Est-ce que je peux être une bonne épouse? Est-ce que je suis capable de me sacrifier? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux partager ma vie avec la vie d'une autre personne? Donc c'était des questions qu'on devait se poser. Je ne sais pas si tu as encore une autre chose à ajouter avant que nous puissions passer aux questions que nous devions poser pour Amen. la prochaine, ou la future mariée, ou la future fiancée. Non, juste pour un rappel, je voudrais dire à quelqu'un que ton âme sœur existe, il est là quelque part. Le fait que tu ne le vois pas ou tu ne la vois pas, ça ne veut nullement dire que tu as été condamné pour ne pas te marier. Jusque cet âge, si tu n'arrives pas à trouver un homme ou une femme, ça ne veut pas dire que ton âme sœur n'est pas là, il est là quelque part. Mais il faut seulement que vous rencontrez par l'aide du Seigneur. Nous avons vu Adam et Ève ont été créés les mêmes
jour. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu créa Ève après? Dieu n'a pas créé Ève après. En tout cas, selon moi, selon ma compréhension de la Bible, Dieu n'a pas créé Ève après. Dieu a créé Ève et Adam en même temps, mais seulement il a suscité Adam avant. Pourquoi? Parce que la responsabilité du mariage appartient à l'homme et le travail du mariage se réside beaucoup plus sur l'homme. Non, Donc, avant je que voulais le juste te compléter en disant que nous tous, nous avons été créés le Le même même jour. jour, voilà. Donc, l'homme et la femme, nous avons été créés le sixième jour. Mais nous avons été manifestés, c'est-à-dire nous avons été formés à des journées différentes. Donc, Amen. Dieu a, selon sa volonté, il a Donc, l'âme manifesté tout sœur de d'abord. Adam existait déjà. L'âme sœur de Adam était dans Adam. Mais Dieu ne voulait pas que le mariage se fasse en cet instant-là parce que Adam venait à peine de découvrir le monde. Adam n'était pas encore responsable. Adam ne prenait pas les choses en main. Il fallait que Adam soit intelligent, que Adam travaille, que Adam soit digne, que Adam démontre à Dieu que Dieu peut lui faire confiance parce que Dieu veut que Adam lui fasse confiance. Et Dieu veut avoir confiance à Adam parce que la responsabilité des deux personnes, il faut que le Seigneur ait confiance au mari. Pourquoi? Parce que c'est le mari qui est le chef de la femme. Et quand le mari n'est pas encore mûr, n'est pas encore mature, n'est pas encore un adulte, Dieu n'a pas confiance parce que la femme que l'homme va épouser va commencer à se plaindre, va commencer à râler, à prier tout le Mais temps il faut et dire Dieu ne va pas être content que cette fille-là ne soit pas bien. Donc, Donc, je voulais dire que quand tu parles de le mari doit être mature, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, la maturité, ça n'a rien à voir Oui, avec l'âge. La ça n'a rien à voir maturité, avec ça ne l'âge. veut pas dire, parce que tu vois, nous, dans la mentalité congolaise, il faut que le mari soit plus âgé que la femme. Africaine, je dirais, parce que nous sommes un L'Africaine, procédé l'or, dans et il la, n'y a pas dans, que de oui, dans la Congolais. mentalité africaine, en tout cas au Congo, il faut que l'homme soit plus âgé que la femme. Et c'est vraiment un scandale quand la femme est plus âgée que l'homme, parce que selon eux, selon leur compréhension de la Bible, je respecte le choix de tout le monde, et l'homme était créé avant et Ève après. Mais moi, j'aimerais dire que l'homme et Ève ont été créés en même temps. C'est seulement qu'il fallait que l'homme soit d'abord responsable avant de rencontrer Ève. Donc, Dieu n'avait pas confiance à Adam. Il fallait que Adam attende pour rencontrer Ève. Donc, l'âge n'a rien à voir avec le fait que la femme est plus âgée ou que l'homme est plus âgé. Parce que tu peux rencontrer un homme qui est plus âgé. Là, moi, je vois dans notre ministère, on a beaucoup de cas. J'ai des gens qui ont 41 ans, qui ont 40, 42, 43, qui ont des maris qui ont 56, 60. Mais quand tu vois ces couples-là, on dirait que c'est la femme qui dirige l'homme. L'homme est tellement irresponsable, est tellement bébé. C'est vraiment la femme qui conduit. Donc, l'âge n'a rien à voir. Donc, on aurait dû rester avec le mari jeune ou trouver un garçon jeune au lieu de trouver un papa de cet âge, mais qui se comporte comme un enfant. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge. La maturité, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. La maturité, c'est quelqu'un qui a la sagesse divine. La maturité, c'est quelqu'un qui est intelligent. Pas quelqu'un qui a nécessairement été à l'école, mais quelqu'un qui a la maturité de se gérer lui-même. C'est ainsi qu'il peut gérer l'autre. Parce que quand toi-même, tu es irresponsable dans ta vie, tu ne sais pas prendre des décisions, tu ne sais pas prendre de bonnes directives, tu ne sais pas te gérer toi-même, tu ne sauras jamais gérer quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu es d'abord un enfant que tu as besoin de se faire gérer. Comment pourrais-tu gérer une autre personne? Comment un enfant peut prendre en charge un autre enfant? Donc, c'est difficile. Et c'est comme ça qu'on voit un enfant qui prend en charge une maman, et c'est le contraire. Un enfant comme Archange, je ne peux pas prendre en charge une maman comme moi parce que c'est un enfant. Donc, là, je n'ai rien à voir. Mais en tout cas, ton âme sœur, je mérite dire que ton âme sœur est là. Il est là, il est dans le code de quelqu'un. Vous êtes là, vous avez été créé une même journée. Il est là, il est quelque part. Donc, tu n'as pas besoin d'aller regarder, dans les chiper, dans les envier, dans les convoiter le couple des autres, de commencer à fantasmer sur le mari des autres, commencer à fantasmer sur la femme de quelqu'un parce que ton âme sœur est là et quelque part. En tout cas, si tu as la patience et que tu demandes la volonté du Seigneur, tu le rencontreras. Et quand tu vas le rencontrer, tu te sentiras comblé parce que c'est la part qui manque dans toi. Gloire à Dieu. Bon, en fait, nous étions en train de parler de ces choses et nous disons que il est possible que nous puissions nous marier aussi avec la mauvaise personne. Donc, c'est Ça, c'est possible clair. que tu te maries avec la mauvaise personne. Donc, et c'est ça le problème. Donc, nous voulons éviter ce genre de problème. C'est pourquoi nous avons dit que ces genres d'enseignements sont très importantes. Elles sont très importantes pour nous, enfants de Dieu. Ça nous casse
cadre et ça nous permet de faire le bon choix. Ça nous évite des erreurs, surtout pour des gens comme des Joël qui ne sont pas encore mariés. Donc, je ne voulais pas que vous puissiez faire des erreurs que les autres ont fait. Donc, Amen. il est vraiment important que nous puissions mettre ces cadres pour vous encadrer, pour vous permettre à ce que lorsque vous serez mariés, vous puissiez nous amener des hommes fiables, vous puissiez nous amener de bonnes personnes. Voilà, parce que quand tu rates ton mariage, c'est vraiment une partie de ta vie que tu as ratée. C'est ta vie Donc, que tu as ratée. c'est vraiment pas bien. Il y a tellement de gens qui sont morts à cause du mariage. Il y a tellement de gens qui sont aujourd'hui décédés simplement parce qu'ils s'étaient mariés ou s'étaient trouvés dans un mauvais endroit avec la mauvaise personne. Et voilà qu'ils ont détruit leur destinée. Aussi Donc, homme de Dieu parce qu'on a des opinions personnelles. C'est comme là quand je viens de parler de notre réflexion africaine. Comme une maman me fait la remarque, quand un homme épouse une femme qui est plus âgée, on traite de cette femme-là, c'est une vieille personne. On dirait que c'est elle qui a accouché cet homme-là. On dirait qu'elle remplace la place de la maman de l'homme. On commence à l'appeler maman. Donc c'est dans cette mentalité et dans cette conception-là, quand on a on a des approches personnelles, on a comment on dit, la réflexion qui est erronée, si je peux dire comme ça, qui est statique et on ne sait pas voir autre chose que ça. Tu peux passer à côté de ta bénédiction. Tu peux passer à côté parce que tu vois selon les critères, selon les statistiques, selon les gens, selon nous au Congo, il faut que ça doit être comme ça. Et quand tu te confies à ça et tu ne te confies pas à Dieu, donc tu peux rater à cause de choix personnels. Et donc quand nous voyons nos choix, il faut que nos choix se rencontrent avec les choix de Dieu. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Et quand nous disons que, ah non, Dieu va me donner ce que mon cœur désire. Et parce qu'un jour, j'ai eu un débat avec une sœur qui me dit, ah, maman Honorine, toi, tu dis comme ça parce que Dieu t'a fait grâce, tu as trouvé un homme beau, un homme qui a une bonne taille et qui répond à tes critères. Et c'est comme ça que tu dis, il ne faut pas regarder la beauté, mais toi, tu as un homme qui est beau. Comment est-ce que tu peux dire ça? Moi, j'ai dit non. Écoute, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va me donner ce que mon cœur désire si je sers Dieu, si je me confie à Dieu. Mais c'est quoi les désirs de mon cœur? Les désirs de mon cœur, c'est quoi? C'est les désirs charnels. Parce que tant qu'un enfant de Dieu, mes désirs ont changé. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc cela veut dire que mes pensées, mes émotions, mes réflexions, maintenant, c'est à l'image de Christ. Donc je ne peux plus voir comme moi je voyais avant, comme j'étais l'ancienne créature. Maintenant, je vois comme une nouvelle créature. Je vois comme Christ. Ça veut dire que même mes désirs, c'est selon l'Esprit de Dieu. Donc je ne peux plus choisir un homme parce qu'il est beau. Je ne peux plus choisir un homme parce qu'il a l'argent. Ce n'est pas parce que la chair me conduit à voir l'argent. La chair me conduit à voir la beauté. Or, le livre de Proverbes 31, 30 me dit, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Donc, je ne peux pas me fier à ces choses-là, mais je dois me fier à Dieu. Le désir de mon cœur, quand c'est la volonté du Seigneur, quand c'est ça rejoint la parole du Seigneur, j'ai 98% de chances, comme nous les Belges nous disons, 99% de chances de trouver un bon partenaire. Mais quand c'est selon ma volonté, ah, j'aimerais bien, mes goûts, ah, les goûts et les couleurs se disputent, ne se discutent, bon, comment on dit ça? Les goûts et les couleurs se discutent pas. ne se discutent pas. Hein, ça, c'est les termes un peu de la chair. Et pourquoi? Parce que nous sommes là toujours dans la chair à chercher les goûts, à chercher les sensations, à chercher comment on appelle ça, le coup de foudre, à chercher les choses comme ça. Et ce sont des choses qui sont enracinées par la chair, ça ne vient pas de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Donc voilà, et nous étions en train de dire qu'il était important, Luc chapitre 14, le verset 25 jusqu'à 35, nous avions donné ces versets pour dire que celui qui veut bâtir une tour, il doit s'asseoir. Donc il doit réfléchir, voilà. Il doit calculer. Calculer les comptes, calculer les dépenses, ses les dépenses. charges. Donc il est important de savoir, es-tu prêt pour le mariage? Es-tu vraiment prêt? Tu crois que maintenant tu peux t'engager dans le mariage? Et c'est une bonne chose. Et la première des choses que nous avons dit, tu as besoin de la parole de Dieu. Une bonne décision ne peut jamais être à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, si nous voulons prendre la décision, nous devons prendre le temps de voir si cette décision ne transgresse pas le principe Amen. Biblique. Amen. Donc, nous devons regarder avec la parole de Dieu. Et c'était important. Nous avons aussi parlé des circonstances. Nous avons aussi parlé de la vie des autres. Donc, quand tu veux t'engager dans le mariage, que tu as trouvé une personne, et tu as aussi de connaître la vie des autres. Pas simplement la vie de Dieu,
Dieu, mais il faut aussi connaître la vie des autres. Et ça, je parlais, j'ai insisté surtout pour des gens qui se remarient, ou bien le gens qui épousent un homme qui était déjà marié, ou une femme qui était déjà mariée. Toi, tu rencontres cette personne-là, il te dit que non, je t'ai marié, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je voudrais m'engager avec toi. Donc, il est important que tu saches pourquoi l'autre relation n'avait pas Ça n'avait pas marché. marché. D'accord? Donc, il y a, comme je le dis hier, il n'y a aucune femme qui peut laisser un homme et dire que non, ça finit, c'est fini entre toi et moi. Non. Quand on s'engage dans le mariage, on s'engage pour une vie. Donc, si ça arrête à un moment, à l'autre, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Donc, fais très attention parce que le même problème peut aussi surgir dans ta relation avec la personne. Donc, tu dois connaître pourquoi ça n'a pas marché. Tu dois faire en sorte que l'échec d'avant ne vienne pas détruire le mariage de maintenant. Il ne faut pas dire que moi, je n'ai pas les chances avec j'ai pas la chance avec les femmes. Moi, peut-être ça va, ça finit toujours comme ça. Moi, je pense que j'ai été maudit de Dieu. Non, il faut regarder, il ne faut pas être égoïste parce que la plupart, moi je parle des hommes, la plupart des hommes veulent que la femme fasse à sa façon. Cette femme-là ne m'écoute, j'ai beaucoup de plaintes avec les papas. Oh mon Dieu, est-ce que c'est possible de prendre la charge des papas à l'église? Parce que les papas, ils viennent toujours, maman Honorine, ah, non, n'a que le rangate. Maman Honorine, elle n'écoute pas. Maman, donc c'est vraiment, la femme doit faire les quatre volontés de l'homme. Et maintenant, moi, la question que je me pose, l'homme fait quoi? Est-ce que l'homme doit aussi faire les quatre volontés de la femme ou pas? Donc on doit tous les deux faire nos quatre volontés. Parce qu'on a besoin que notre mariage réussisse. Si moi je dois faire tes quatre volontés et que toi tu ne fais pas mes quatre volontés, ça veut dire que ça ne marche pas. Quelque part il y a l'égoïsme, il n'y a pas l'amour. Or Christ dit que nous devons aimer cette femme, nous devons nous sacrifier. Ça veut dire que nous devons aussi faire les quatre volontés de la femme. Donc il ne faut pas être égoïste, dire seulement que ah, moi c'est un aïeux qui l'a rangaté. Ah, cette femme-là ne m'écoute pas. Et cette femme-là ne fait pas ce que je demande. Cette femme tétie, aïeux karté, ce qui n'a pas le bibo, et elle contredit ça, toujours. Ça beaucoup plus en force parce qu'il y a des gens qui voilà. nous écoutent. Cette femme-là, comment j'ai dit comme ça, elle est doit toujours contredire, elle fait pas ce que je veux. Il y a aussi cette histoire qu'on a dit, l'homme quand il doit se marier, l'homme quand il doit construire un tour, il doit s'asseoir, connaître les charges, les dépenses. Pourquoi? La plupart des hommes sont radins, hommes de Dieu. La plupart des hommes sont radins, donc il aime la femme, tout ça, mais quand il faut donner, ah non, donc il donne peu, mais il parle beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'ils sont pas prêts à avoir les dépenses. Parce que quand tu t'engages à avoir un partenaire, ça veut dire que tu vas dépenser aussi. Cette personne-là ne doit pas dépendre de son père. Il ne doit pas descendre de ses besoins de sa mère. Il ne doit pas dépendre non plus de son travail. Okay, mais il doit dépendre de son mari. D'accord, je vais aller plus vite parce qu'il y a, il y a tellement de choses à dire. Donc, tu as raté beaucoup de choses. Donc là, je suis en train vraiment de prendre des sujets de points, de points. Alors, voilà, donc quand tu rencontres la bonne personne, il y a certaines questions que tu dois te poser pour savoir si cette personne est la bonne personne. Donc, si vous serez compatible, vous deux, avec la personne, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, la chose la plus importante, c'est tout d'abord le côté spirituel. Amen. Il faut que tu regardes le spirituel. Toi qui as rencontré un homme aux États-Unis, en Londres, tout ça, la première des choses que... Internet. Oui. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de parler, de discuter avec la personne, et de savoir est-ce que cette personne-là est-elle chrétienne? Donc, la première question que tu dois te poser quand tu rencontres une personne, il faut que cette personne-là puisse être si chrétienne. Si tu es chrétien, il faut donc, qu'il soit chrétien oui, parce comme que toi. Nous sommes à précéder l'aurore, donc nous parlons, nous adressons aux chrétiens. Amen. Je voulais m'adresser à toi, Joël, je voulais m'adresser à toi, Anaël, je voudrais m'adresser à toi, Adeline, donc en disant que quand tu rencontres une personne, la première des choses, cette personne doit être un enfant de Dieu. Pas ça un doit semblant, être, ça pas doit un être semblant quelqu'un qui a, chrétien. On va y arriver. La première question, la personne doit connaître Christ. Donc, la personne doit accepter Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Ça, c'est la première question. Et la deuxième des questions, la personne doit être engagée avec Dieu. Amen. Donc, elle n'est pas simplement chrétienne, mais elle doit être engagée avec Dieu. Quand nous parlons de l'engagement, nous disons pas qu'il doit être pasteur, non. doit être diacre, il doit être ancien, non, mais il doit être engagé dans des choses de Dieu. Une personne qui connaît Dieu, une personne qui donne sa dîme, une personne qui soutient l'œuvre de Dieu, une personne qui sait prendre du qui temps aime Dieu. De parler avec Dieu. Parce que toi, tu aimes Dieu. Et regarde-toi, si aujourd'hui tu as un homme qui ne connaît pas Dieu, et quand il t'attend, t'es réveillé le matin pour procéder
de Laurent, ça Oui. sera un problème. Elle n'écoute pas cette femme, elle me laisse au lit tout Il seul. me laisse, elle me laisse au lit Tout seul. et il va écouter de gens qui parlent sur Internet. Je ne comprends pas ce genre de femme. J'avais épousé une femme, je croyais. Donc le matin comme ça, elle veut que vous restiez nu sur le lit, que vous puissiez faire n'importe quoi. Donc elle va épouser, et donc il a épousé une actrice de porno et pas une femme. Amen. Mais et toi, tu n'es pas comme cela. Toi, tu Non. es un enfant de Dieu. Donc il est Un enfant important. de Dieu, le matin, ses yeux se tournent vers Se l'Éternel. tourne vers l'Éternel. Nous regardons à Dieu. Nous disons à Dieu, nous croyons à tes promesses. Donc nous précédons l'horreur. Et tu le fais pas simplement pour toi, tu le fais aussi pour lui. Et moi, je suis content de voir le couple comme le couple Boitour. En ce moment, maman Hélène est là connectée. Papa Joseph est là connecté. Guida Donc, Silva aussi sont toujours oui, ensemble. papa Guida Silva. Massamba et Tania Papa aussi. Massamba et Tania. Donc voilà, il y a l'autre même qui est dans sa camionnette, dans son camion, et l'autre est à la maison, mais elle fait tout que le mari aussi soit connecté. Amen. Et ensemble, ils sont en prière. Pendant que l'autre, il est en train de travailler, la femme, elle est à la maison, mais les deux, ils sont en communion à travers précès de l'aurore. C'est magnifique. Amen. Donc, tu vois un peu. Donc, ça, ce sont des questions que nous devons nous poser pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur. Nous devons savoir si la personne est chrétienne, si la personne est engagée. La troisième question, nous devons, est-ce que nous sommes capables d'exercer ensemble un ministère? Amen. D'accord. Il y a aujourd'hui des ministres de Dieu qui ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé une femme qui n'est pas dans la vision de l'homme, Amen. qui Ça ne me soutient rappelle pas une l'homme. histoire, un comique, un aventurier qui a trompé sa femme, qu'il avait un ministère. Et qu'est-ce qui s'est passé? La rencontre sur Internet. Ils se sont rencontrés sur Internet. Je suis chrétien, nous sommes chrétiens. La femme voit. Quand ils parlent ensemble, il y a le mari est chrétien. Ah, mais est-ce que tu as un ministère? Tu sers Dieu. L'homme voit, on voit des photos. Et qu'est-ce qu'on voit sur les photos? Sur la chair, avec les micros. Et la femme était contente. Mon mari, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, tout ça. Or que l'homme n'était pas ça du tout. L'homme, après l'église, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que les protocoles arrangent les studios, lui, il vient, il monte devant, il prend les micros, commence à prendre des prises de photos pour tromper à la femme que lui, c'est un pasteur ou c'est un chantre. Or qu'il est rien du tout. Maintenant, quand ils se rencontrent ensemble et qu'il doit exercer son ministère, mais toi, tu n'existes plus. Oh non, tu vois, quand j'étais en Afrique, j'étais puissant. Ici, l'Europe, il y a beaucoup de choses. Mon ministère a été étouffé. Et puis, on reste comme ça. Donc, la vision a changé. Non, mais moi, je vais encore en parler. Il y a encore une autre histoire qui nous est arrivée ici à la Divine Alliance. Il y a une sœur qui m'a parlé de son histoire. Elle avait rencontré un homme sur Internet et cet homme était au Maroc. L'homme lui a dit que moi, je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Et la femme m'a amené la photo de la personne. Comme moi, je suis passé deux fois, trois fois au Maroc et je me suis renseigné. J'ai des amis qui sont pasteurs au Maroc. Amen. J'ai envoyé la photo pour savoir si ce monsieur-là était pasteur. On m'a dit qu'il n'a jamais été pasteur. Non pas seulement il n'a jamais été pasteur, mais il est aussi engagé au Maroc. Donc il y a des gens comme ça qui consultent le Facebook de sœurs pour voir quelle victime elle doit frapper dessus. Amen. D'accord? Donc nous devons être prudents. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois C'est connaître pas la le fait personne qu'elle dit que les avec chrétiens, qui ça suffit, non. tu dois connaître la personne avec qui tu dois t'engager. Tu ne peux pas t'engager avec un étranger. Non. D'accord? Donc, tu dois connaître la personne, tu dois connaître sa famille, tu dois connaître ses amis. Ça ne doit Abraham a pas être refusé. Abraham a dit à on ne peut l'intendant, pas il faut épouser un choisir à ma Melchisédek. femme. Une fille qu'on a même habitude, même coutume, une fille qu'on a la même mentalité. Même Donc, parce qu'on mentalité. ne peut pas aller chez les étrangers, ça ne marchera pas. Ma fille est venue me demander, papa, est-ce que tu peux bénir mon mariage? Je dis, je veux bien, mais où est le mari? Ah non, papa, lui, il est un musulman. Mais moi, je suis un pasteur, je suis un apôtre, et je veux bénir ton mariage avec un musulman. C'est pas Ça, c'est possible. gaspiller la bénédiction. Ça, Non, moi, je c'est dis ça, pas c'est la gaspiller la bénédiction. nourriture Parce que des la enfants, bénédiction on va ne peut pas les sortir donner aux sur chiens. quelle terre? Oui, Sur c'est ça, quelle? c'est Parce que ça. ça doit rentrer sur une terre pour fructifier. Mais la terre qui n'est pas l'autre, on va envoyer la semence sur quelle terre? Donc, inutilement. C'est OK. comme si on a jeté les grains sur le roc et ça fait rien. On a aussi encore posé une autre question de savoir est-ce que vous deux, vous avez la capacité, la possibilité de prier ensemble? Ah, ça, c'est un problème. Donc, prier ensemble, être ensemble dans l'intimité Moi, spirituelle. j'ai pris à ma façon. Moi, je connais un homme quand il est toujours en train d'accuser sa femme chez sa mère. À ta fille, toujours
l'église, ta fille touche les choses de Dieu, toujours. Mais toi aussi, tu pries. Non, oui, je prie. Mais est-ce que vous prenez le temps de prier ensemble? Non, moi, je prie à ma façon. Maintenant, il faut savoir quelle façon lui De prie. quelle façon tu Maintenant, lui il prie pries? comment? Les pieds en l'air et la tête en bas ou quelle façon? Et Parce que donc tout ça, c'est un peu bizarre. ce sont des questions que nous devons poser et avoir des réponses avant que nous puissions nous Nous engager dans nous le engager. mariage. Amen. C'est pas après le mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La spiritualité est très importante. La relation, que le votre relation est-elle basée sur le Christ? Amen. Alléluia. Est-ce que votre relation plaît-elle à Dieu? Alléluia. Est-ce que vous deux, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir une relation avec Dieu et passer du temps dans la prière? Tout Amen. ça, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que nous devons discuter avant que nous puissions Amen. nous engager dans le mariage. Donc, ce Je n'est pas connais un une. péché de rompre le fiançailles. Non, C'est un non. péché de rompre un Ah, mariage. justement, c'est sur là que je voulais en venir. Il y a une sœur que je connais qui a rencontré un fiancé. Le fiancé n'était pas contre que la sœur soit chrétienne. Lui aussi, il était chrétien, bon, un semblant de chrétien. Il dit, on est fiancé, je t'interdirai jamais d'aller à ton église. Je t'interdirai jamais les activités d'église parce que tu sers Dieu et tout ça. Moi aussi, j'aime Dieu. Il y aura des temps qu'on priera ensemble, on restera ensemble. Mais je te demande seulement une seule chose. Quand on sera marié, il arrivera des moments qu'on ne priera pas ensemble, que moi, j'irai prier tout seul. Parce que moi, j'ai ma prière spéciale. Il y aura aussi des jours que moi, j'irai en retraite dans ma prière. Et mais c'est quoi notre prière? Nous sommes chrétiens, mais ce n'est pas les gens des chrétiens comme vous. Nous sommes un chrétien dans un groupe comme ça nous arrive. Pendant la nuit, je te laisserai vers minuit, je Aïe, partirai. aïe, aïe, Et aïe. puis, je rentrerai à 6 heures Là, c'est parce déjà que je mal dois parti. prier. Ou ça peut arriver qu'on va rester ensemble la nuit, on va dormir. Mais quand je te demanderai de ne pas prier avec moi, il ne faut pas insister. Parce que pendant qu'on dormira, moi, je partirai prier avec notre groupe. Tu partiras comment? Mais ne t'inquiète pas, tu me verras dormir à côté de toi, mais je serai Ah, parti. donc ça, c'est déjà un démon. Je serai parti. Alors la soeur me pose, mais maman, est-ce que je dois rompre ce fiançailles? Je dis immédiatement. Il faut le rompre. Immédiatement, Il parce faut le rompre. qu'il va partir dans quel moyen? Il te laisse son corps. Mais maintenant, qu'est-ce qui est parti? C'est la partie la plus importante. C'est son âme et où? Or que notre âme doit être attachée. Ici, on parle de l'âme sœur. Mais l'âme sœur qui n'est pas avec toi, qui ne dort pas avec toi. Parce que qu'est-ce qui arrive des fois quand on dort ensemble, je dors, j'ai fait un cauchemar. Et dans mon cauchemar, peut-être je suis proche. Je vois mon mari qui vient vite, hein, qui vient me rattraper, me récupérer. Mais secourir, pourquoi? Parce que nous sommes âmes sœurs. Mais maintenant, quand il y aura des dangers spirituels, toi tu es parti, ou peut-être c'est toi qui vas me livrer. Donc il faut rompre tout de suite. Il y a pas de danger à rompre les fiançailles Y a quand pas, tu vois que y a les pas, critères y ne a sont pas. pas remplis. Moi, je dirais même le mariage, tu sais. Donc même le mariage de Il Dieu, faut prendre le temps il de faut, il faut, connaître cette il faut, personne. il faut connaître Le la personne mariage est vite fait, ça marche pour ne tout. pas faire Voilà. l'erreur d'épouser la mauvaise Cette personne, personne. parce que tu vas mourir parce que tu es tombé sur la mauvaise personne. Bien-aimé, même avec Adam, nous avons vu. Adam, quand tu l'étais seul, sa relation avec Dieu était parfaite. Amen. Mais quand Ève est venue, le diable est rentré par la femme pour Amen. déranger et détruire aussi la Amen. relation que Adam avait avec sa femme. C'est comme ça, les Bien-aimé dans hommes le de Dieu, Seigneur. j'étais pas tout à fait d'accord avec la prédication des dimanches. Hein. La prédication des dimanches, on a incité les hommes à la responsabilité. Les hommes devaient être responsables, prier pour la famille, que ce soit à Bruxelles, à Liège, vous avez prêché ça. Mais il y a quelque chose. Mais le mari doit prendre les responsabilités. Et la femme. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Adam avait la relation avec Dieu, il avait ses responsabilités et priait. Mais pendant que la femme ne priait pas, était dans la distraction, une porte a été ouverte, c'est ainsi que le diable est rentré. Donc même si l'homme est le chef et qu'il doit être responsable de prier, la femme aussi doit fermer les portes. C'est Qu'est-ce qu'on voit important. maintenant? Même dans nos églises, il y a des hommes là qui sont chrétiens qui prient, mais leurs femmes font n'importe quoi, hein, parce qu'ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas dans la prière comme l'église. La femme va commencer à faire des adultères, à faire des choses. L'homme, il est là, il souffre, il est dans l'obligation de pardonner et dans l'obligation d'accepter cette femme parce qu'on dit qu'il doit aimer la femme comme ça, comme Christ. Maintenant, il est là coincé, il ne sait pas divorcer avec sa femme parce qu'on lui dit qu'il doit être responsable. Entre-temps, une porte est ouverte. Donc, l'homme doit être prié, mais la femme aussi, sinon il faut fermer les portes, sinon c'est pas possible. Donc là nous avions parlé de l'aspect spirituel, donc l'aspect spirituel, mais il y avait aussi l'aspect psychologique. Donc je me suis arrêté pour parler du caractère. Donc il est important, avant que tu puisses t'engager et que tu puisses regarder la personne, est-ce qu'avec la personne vous avez une bonne communication? Donc le caractère de la personne, ça je m'adresse à toi Joanne. Donc voilà, donc tu as besoin vraiment de connaître la personne, de voir un peu son caractère. Est-ce que c'est une personne avec qui tu peux bien avoir une communication?
communication. Donc la communication, d'accord? Est-ce que tu as déjà discuté avec la personne en ce qui concerne les enfants? Parce que Amen. quand tu as des enfants et que tu dois t'engager avec un homme, il faut que vous puissiez prendre le temps de discuter. Il Amen. ne faut pas que tes enfants deviennent un problème. D'accord? Donc tu m'épouses avec mes enfants, tu es obligé d'accepter mes enfants. Maintenant, Nous avons vu des femmes. on t'épouse avec tes enfants. Est-ce que tu es prêt à faire aussi d'autres enfants, homme de Dieu? C'est ça aussi Parce la qu'il y a des question. femmes, moi je connais une femme qui a raté un mariage avec un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu vient, cette femme-là avait déjà des enfants. L'homme de Dieu n'avait pas des enfants. Mais ils se sont engagés, tout était nickel. La seule question, la femme n'était plus prête à faire des enfants. Moi j'ai déjà fait mes enfants, c'est déjà assez, mais c'est aussi Non, tes enfants. Non, ça ça c'est c'est égoïste. l'égoïsme. C'est Ça c'est l'égoïsme. l'égoïsme. Donc quand tu t'engages dans une relation, c'est Parce pourquoi que je moi, dis j'accepte tes enfants, tu dois aussi te sacrifier à me faire aussi tes enfants. C'est ça que je voulais dire. Donc, il faut prendre le temps de discuter. Nous discutons. Nous devons être capables de communiquer. Donc, c'est pas un ring de boxe quand l'autre commence à parler directement. Non, 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 non. Le mariage n'a rien à voir avec la force physique. Nous devons nous asseoir et discuter comme des adultes. Parce que même s'il y a un problème, nous devons en parler. D'accord? Donc, la communication, la bonne communication est très J'aime importante. beaucoup la remarque de Maman Marcy qui dit on doit être capable de rompre le fiancé quand ça ne marche pas, parce qu'on a vu Joseph dans la Bible, quand il a vu que sa femme Marie était enceinte, ce n'était pas de lui, il devait se préserver. Ah Comment oui, tu ah tombes oui. enceinte? Elle devait rompre. Il devait Et rompre c'était le normal, mariage. c'était C'était normal normal, qu'il c'était devait rompre normal. les fiançailles, Oui. ni que c'était l'intervention de Dieu, il s'est séparé. Oui. Donc il n'y a pas de mal à rompre les Bon, fiançailles. voilà, donc nous devons discuter. Est-ce que la personne aime les enfants? Est-ce qu'il aime les enfants ou bien il t'aime seulement toi? D'accord? Donc il y a des gens comme ça, il a déjà fait des stérilés, donc il a déjà détruit sa semence, donc il sait que lui, il peut pas te donner des enfants. Amen. D'accord? Et ça, comme vous n'avez pas Et discuté aussi, même avant. quand on me demande de faire des enfants, dans quelle idée, dans quelle intention? Parce qu'il y a des hommes jaloux qui demandent à faire des enfants parce qu'ils voient que la femme est tellement belle, tout ça. Et quand je la laisse comme ça, c'est un danger pour moi. Il est tellement jaloux. Donc, il te fait les enfants, pas par l'amour des enfants, pas pour avoir une procréation, mais par jalousie pour la femme, pour que la femme s'abîme. OK. Et les gens, des personnes, tu verras, ceux qui m'y colonnent, ces jours-là, la femme commence à voir la taille, tout ça, les projets des enfants arrivent. Donc, ça aussi, c'est un Donc problème. voilà, donc et discuter aussi du nombre. Du Donc nombre. avant que vous puissiez rentrer, discuter aussi déjà du nombre, parce que ce sont des choses que vous devez traiter avant. Si vous l'avez pas traité, un moment ou l'autre, vous Amen. serez en désaccord et ça sera un problème. Et quand vous D'accord? faites des enfants, il faut être conscient du nombre des enfants que vous faites, la responsabilité que vous engagez. Quand vous choisissez à faire 5 enfants, 10 enfants, il faut aussi parler de cette responsabilité que vous vous engagez à faire. Parce qu'il ne suffit pas de faire beaucoup d'enfants. Parce qu'il y a des gens quand tu donnes conseil, mais tu as déjà assez d'enfants, pourquoi tu en fais? Ah, est-ce que c'est toi qui vas les élever? OK. Non, il faut être conscient du nombre et la responsabilité que vous vous engagez en rajoutant de plus en plus d'enfants. Parce qu'on a tellement de sujets. Je Amen. parlais aussi du respect. Donc, la personne que tu vas épouser, est-ce que cette personne-là te respecte? Donc, tu vois, donc il faut que ce soit quelqu'un qui sait te respecter. Amen. Donc, ça peut être un homme riche, mais est-ce qu'il sait te respecter? Le respect Langage, mutuel l'un à langage, l'autre, est-ce langage. qu'il est capable de discuter et de poser certaines limites dans cette discussion? Est-ce qu'il te traite avec respect? Ça, c'est important, La bien-aimé, dans plupart le des cas, Seigneur. quand on rencontre un homme riche, n'a pas de respect parce qu'il va avoir un langage de Il style va du tromper. genre. Trompe, Oui, du trompe. genre, je t'ai donné, je t'ai fait, je m'occupe de toi, je m'occupe de ta C'est moi qui famille. a Tu payé fais le comme billet ça, pour tu que sais. tu viennes ici en Oui, Europe. voilà, même les Donc, vacances, c'est moi qui paye les billets. Moi, donc, il parle d'une façon dédaignante. Donc, vraiment, c'est horrible de bénéficier de l'argent de cet homme-là. Il y a beaucoup de choses qu'on avait parlé. Donc on a parlé aussi, est-ce que vous étiez capable de vous amuser ensemble? Mais bon, comme je le dis aujourd'hui, on n'aura plus le temps parce que on est déjà à 38. Donc c'est le temps pour nous de rentrer en prière. Donc Homme de nous Dieu, est-ce que espérons. c'est interdit de s'amuser avec son mari, par exemple? Est-ce que c'est interdit? Non, mais c'est ce que je dis. Faire des Donc blagues il est devant les... important, de trouver quelqu'un avec qui tu peux te détendre, Devant les quelqu'un enfants. avec qui vous pouvez jouer. Donc c'est assez important, quelqu'un avec qui vous pouvez sortir. Donc il faut pas avoir honte. Moi j'ai rencontré l'histoire, j'ai dit parfois on va au cinéma, on rentre au cinéma, moi je dors, mais toi tu regardes ton film et tu aimes ton film. Et moi pendant ce temps-là je suis en train de ronfler. Mais le fait qu'on soit ensemble,
ensemble. Ça, c'est important pour le couple. Donc, tu vois, donc, il faut trouver des temps comme ça. On va en vacances, Marcher même ensemble, si, même si on même va si. pas en vacances, on est ensemble, on reste sur les bancs de On part à parc. Paris, là, je Oui, voilà. t'accompagne faire tes ongles. Et pendant ce temps-là, ça prend combien? Ça prend une heure Ouais, du temps, ça prend 2 heures là, du tu es en train de temps. râler, là. Ça prend 3 heures du temps. Mais je suis là, j'attends, j'attends, j'attends. Je m'ennuie à fond, mais j'attends parce que bon. Et après, quand on Pourquoi on est rentre à la râlé? maison, on enlève encore le chevet qu'on a fait. Parce qu'on a Mais mal fait, parce qu'on a mal c'est comme, c'est une femme. Une femme, c'est comme ça, il faut la Parce qu'on a supporter. mal fait. Il faut l'accepter parce que il faut comprendre ses Mais caprices. lorsque tu comprends pas, quand je fais ces cheveux-là, je fais pas seulement pour moi, pour mon bien-être, mais je fais ça, je fais pour rendre amoureux de plus encore à mon Mais mari. c'est comme ça Je que je fais ça t'aime pour mon beaucoup. C'est mari. comme Je ça que fais je pour t'aime que, bien. oui, pour que les yeux de mes maris ne se détournent pas, soient toujours sur moi. Alors, quand je connais les goûts de mon mari, je connais ce qu'il aime, je connais les... Parce que quand je fais les cheveux, ça arrive de ne rien dire. Mais il y a des autres, quand je fais, dit, ah, ça te va très bien. Donc, je connais ce style. Ah, il t'a bien fait. Il a sa façon de dire ça. Mais alors, quand on me fait et que je trouve que, il va pas remarquer, il va pas complimenter, et ça sert à rien, parce que je vais pas garder quelque chose qui ne sert à rien, parce que je fais ça pour lui. Donc j'enlève, je trouve quelque chose qui va lui plaire, et quand je ferai ça, il est content, voilà. Donc Alors voilà, il donc dit, le enlève un peu de lait, ça peut tomber comme ça, là. Oui, moi ça me plaît, parce que je sais qu'il est attiré par ça. Et Donc c'est voilà, ça, donc il y a. il doit avoir ça. Il doit avoir Mais ça. voilà, donc nous sommes arrivés. Nous voulons passer à la prière parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, Amen, vous amen, comprenez? amen. Comprenez un peu que nous avons tellement de choses à dire et la prière est très importante. Donc nous allons aussi passer du temps dans la prière. Donc voilà, donc bienvenue dans le Seigneur. Là, 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 là. Le mariage, ce n'est pas un calvaire. Le mariage, c'est vraiment. Demain, tu dois répondre à une question qui m'a été C'est posée. complémentaire. Demain, tu dois répondre à une question. Pourquoi les hommes doivent accepter les enfants de la femme et les femmes ont du mal à accepter les enfants de l'homme? Non, c'est pas l'homme qui doit accepter les enfants de la femme, c'est le des côtés. Moi, je dois Ah, qu'est-ce qu'on accepter voit? quand Tu on vois, parle de les femmes sont mariage égoïstes. récomposé. C'est pas bien. Pourquoi tu n'acceptes pas les enfants des autres et tu veux que tes enfants soient acceptés? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ils acceptent les enfants, mais il y a toujours cette injustice-là. Les Non, enfants non, du mari, non. c'est comme ça, mais ses enfants, lui, tu vois, en cachette un peu, on achète 3 baskets, mais à mon emploi, j'ajoute un supplémentaire au cas où, parce que peut-être je vais demander à mon mari, il va dire que j'ai déjà acheté, mais ton Non. enfant aussi, il abîme vite. Alors, pour qu'on ne dise pas ça à mon enfant, ça va me faire mal, j'achète déjà un à côté, je mets en réserve. C'est bon. Mais c'est ce que dit, je sais, tout ça, nous disons c'est quoi? Ce sont des choses qu'on devait discuter avant que nous Avant, puissions avant. entrer dans le mariage. Parce que si on a déjà discuté, si on a trouvé des solutions aux problèmes que nous pouvions rencontrer, dès que le problème sera là, nous dirons que ça, c'est ce qu'on avait prévu. C'est vrai qu'il y aura des imprévus, mais beaucoup de choses importantes, nous devons prendre le temps d'en Il faut en discuter. discuter, il faut en D'accord? parler parce qu'il y Donc, a une parole que je la déteste. spiritualité, le Voilà, le caractère, le caractère. physique viendra après. Donc, la relation sexuelle, c'est après, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est tout ce qui fait le cadre du mariage. Amen. C'est ce qui fait la réussite d'un Et couple. je ne suis pas d'accord à quelqu'un qui dit, ah, moi, c'est toujours comme ça. Moi, je sais comment ça arrive. Ben, ça commence toujours comme ça. Après, ça va se terminer. Mais pourquoi tu ne fais pas en sorte que ça ne se termine pas mal comme Non, c'était terminé avant? non, mais tu dois Mais faire des efforts. quand tu vois que ça commence comme ça, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire en sorte que ça ne se termine pas comme ça s'est terminé avant. Parce Ben, c'est ça le problème. on doit prier, on doit prier. Alléluia. Papa, le mari africain ne font pas de compliments, pas romantiques, pas des câlins. Non, en tout cas, moi, mon mari fait des compliments Moi, romantiques. je fais des compliments à ma Romantiques. femme. Même le matin, avant de sortir, dire attention, tu es un peu trop mis. Attention, change ça. Je regarde même la poudre, je regarde le mat, Quand la c'est. couleur. Quand c'est pas ta couleur, je dis, ça c'est pas ta couleur, il faut essayer un peu de De descendre un peu diminuer. parce que tu deviens métisse. Moi, je Ça pas, devient comme tu n'es pas métisse, comme les donc, tantes de Matongé. comme des tantes de Matongé. Donc voilà, Je regarde, tu es devenu comme les tantes de Non. Si ton homme ne te fait pas des compliments, il faut en Matongé. parler. Il faut Amen. pas parler une fois, il faut continuer à en parler. D'accord? Tu me dis, chérie, je me suis fait belle pour toi, il faut que tu me complimentes. Le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas appris cela de nos parents. Nos parents, on les a jamais vus complimenter nos mamans. Donc, ce qu'on n'a pas reçu, on ne sait pas le donner. Nous autres, Mais on travaille nous sur apprenons ça. avec la Bible. Donc, moi, je travaille mon couple, je travaille mon ministère, je parle à Dieu,
je m'enseigne, je m'instruis. Donc, je cherche à comment faire pour que je puisse être un bon mari pour ma femme. Amen. Comment faire pour être Et on ne doit pas un oublier bon père que pour mes enfants. les enfants nous regardent, les enfants nous observent. C'est Les comme enfants nous regardent, l'autre oui. jour à Zaré qui dit, le jour de mon anniversaire, dit, mais on a donné les cadeaux, mais pourquoi papa il fait pas bisous? Pourquoi il ne fait pas bisous? Moi j'ai dit, je ne sais pas, mais toi fais, toi aussi fais, tu peux faire. Donc il y a des choses comme ça que tu ne fais pas attention. L'enfant voit que vous aimez, il ne voit pas des bisous. Donc pour lui, ce n'est pas la signature que tu dis. Ah, toi tu dis que tu aimes, tu dis seulement comme ça. Ben oui, c'est vrai, mais pourquoi tu ne fais pas des bisous? Il Parce faut que faire des bisous. pour l'enfant, la signature, c'est ça. Tant que tu ne fais pas de bisous, tu peux dire que tu aimes beaucoup sa maman, c'est pas, ça ne suffit pas. Donc ce Donc sont des voilà. choses comme ça qu'il Donc, faut. voilà. Je vois ici le Kudu, Kola, Bobong. Ah bon, voilà. Donc nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Et comme je le dis, c'est pas toujours la prière. Il y a des moments comme ça, Dieu va nous conduire à parler, à parler, à parler jusqu'à la fin. Amen. Donc c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est vrai que dans précédent l'horreur, il nous faut du temps de la prière, il nous faut aussi du temps de discuter. Mais bien aimé dans le Seigneur, la prière seule ne suffit pas. Il faut ce genre de Mais conseils. il faut C'est prier pourquoi. sur quelle base? Avant de prier, il faut avoir une parole pour entrer dans la prière. C'est pourquoi je Parce que dis. là, quand il y a des choses qu'on comprend, on va dire, ah, pendant que je vais prier, je vais dire par rapport à ce que on m'a dit, par rapport à ce qui m'a aidé. C'est comme ça qu'on prie. Sinon, tu vas prier comme ça et puis ça sert à rien. Donc voilà, donc c'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Donc veuillez nous comprendre. Donc nous sommes en train de parler de problématiques que nous avions dans nos sociétés, dans nos églises. Quand nous allons dans l'église, on n'a pas le temps de parler de ces choses. On nous parle de la dîme, on nous parle des offrandes, C'est on nous la parle des vérité. démons, on nous parle des sorciers. Oui, c'est vrai, mais le concret, et donc le quotidien, le mariage, c'est là qu'il y a de bas blesses, c'est là qu'il y a de problèmes. Et comment faire? Hier, tu étais dans une relation, ça n'a pas marché, et Marché. tu rentres encore dans une autre relation qui ne marche pas. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi tes Il faut responsabilités? t'examiner, te Bien aimé regarder dans le à toi. Seigneur. Qu'est-ce qui Donc, n'a pas changé? il faut Qu'est-ce qu'on qui en ne va parle. pas avec toi avant de condamner l'autre? Moi, moi, Est-ce quand que je, toi, ça suffit? Est-ce moi, que moi, toi, tu n'as moi, pas de quand je parle reproche? aux hommes de l'Église, je le pousse à être responsable parce que je sais que nous, hommes, nous avons beaucoup du mal. Tu vois, la fille, quand elle était encore enfant, elle s'était préparée déjà pour le mariage. Amen. Elle jouait avec le poupée. Elle s'est préparée Comme elle se déjà. mate avec sa Non. cuisine, Oui, elle a oui, lui, oui. elle fait à manger dans sa Tu vois un peu, imaginaire. mais il y a beaucoup de hommes qui n'ont pas été préparés dans le mariage. Donc il y a des hommes quand ils rentrent comme étant le fils de son père, le fils de sa mère. Et ça ne marchera pas. Ça marchera Donc pas. nous y arriverons, nous arriverons, nous parlerons Et de toi qui quitter dès qu'il y a son un père et sa problème, mère. ses parents réagissent. Oui, tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, ça, j'ai entendu des sœurs qui m'ont dit que moi, dans mon ménage, c'est la sœur de mon mari qui gère Ce n'est pas le normal. budget Ce du n'est pas couple. normal parce Donc qu'il n'a tout pas cela, bien-aimé confiance dans en le sa femme. Seigneur, non, c'est pas admissible, c'est inadmissible, Même donc c'est si elle pas a mal normal. géré, laisse-la mal gérer et après, tu pourras récupérer toi la gérance. Mais ni toi, ni elle, mais la gérance à quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. Non, Si non, non, non. ma femme ne sait pas gérer, alors moi-même, étant que mari, je gère. Je vais l'enseigner aussi à bien gérer, à bien gérer. Il y a un problème. La Bible nous parle de ce couple. La Bible nous dit, une de femme, de fille, de prophète est venue trouver Élisée en disant que mon mari, qui craignait Dieu, est mort. Il a laissé derrière lui des Des dettes. dettes. Bien aimé dans le Seigneur. Donc cet homme-là, il était un mauvais Un mauvais gestionnaire. Donc gestionnaire dans ces couples, il y avait un problème de avec les gestion. dettes. Mais Amen. vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui aiment acheter crédit. Mais ce que vous ne savez pas, le montant là que tu dois rembourser. Parfois, on te dit que tu as acheté à 1000 euros. Mais quand tu vas rembourser 2000, 3000 euros. Mais c'est ce que toi, tu ne sais pas. Et tu te plais à acheter crédit. Mais ils écrivent Tout, ça, ils tout, disent tout, tout. emprunter coûte de l'argent. Mais oui, tout tu En tout achètes cas. en crédit. Pourquoi ne pas économiser et acheter directement? La Bible nous dit, nous ne devons pas nous endetter. C'est nous qui devons prêter aux autres. Amen. Donc tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qu'on doit parler. Ce sont des choses qu'on doit discuter. C'est aussi la responsabilité de l'Église. La Un pasteur conjoncture n'est pas actuelle aussi, comme je disais, un pasteur, c'est aussi un coach. Amen. Donc il doit nous montrer la direction En tout à cas, à la suivre. limite, je préfère prendre
crédit pour une maison, quelque chose que je ne sais pas payer cash, mais même pour une voiture, je peux Tu économiser peux après ma dernière économiser. Le voiture. riche n'achète jamais une voiture neuve. Le riche, quand je parle de riche, de gens prospères, ils achètent toujours en seconde main. Parce que Parce c'est que un investissement qui est. Il va gagner. Après 6 mois, il va acheter en deuxième main et c'est lui qui sera gagnant. Il n'achètera jamais la voiture quand la Dès voiture que vient tu de démarres sortir. et que tu sors de la route, ce n'est plus neuf, c'est fini. Ce n'est plus neuf, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, donc il y a toutes ces choses. Nous allons nous incliner devant la présence de Dieu. Amen. Nous voulons lui dire merci aujourd'hui. Nous voulons élever son nom. Nous voulons élever le Dieu qu'il est. Nous voulons lui dire merci parce qu'il nous a donné la vie. Aujourd'hui, nous sommes réveillés. C'est un privilège que Dieu nous a accordé. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur, nom nous de voulons te Dieu. dire merci pour le souffle que tu as renouvelé ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, tu nous fais grâce d'être encore Oh, ce ici. matin, nous Tu te as disons renouvelé ta merci. fidélité, raison pour laquelle nous te disons merci. Merci Merci à pour toi, ma merci à soeur qui toi, est réveillée, merci. pour mon frère qui est connecté. Merci à toi, Merci parce fidèle que tu nous tendre donnes la Père. sagesse de Merci parler de pour ces choses, Alléluia, afin que nos Alléluia. couples puissent avancer, parce que dans ton plan, tu veux que nos couples soient un modèle. Un Nous te modèle, disons Seigneur, merci, Seigneur merci. Jésus, de nous prêter encore la vie pour que nous puissions nous en servir de bonne manière. Parce que Amen, la Bible amen, amen, déclare, amen, vaut amen. mieux un chien qui est en vie qu'un lion qui est mort. Merci pour Je peux la être vie que tu nous as prospère, donnée, je peux Seigneur, mon avoir Dieu. tout, mais si ça ne va pas, ça ne servira à rien. Mais nous qui sommes encore en vie, nous espérons que toi, tu puisses nous aider afin que nos couples aillent de l'avant. Seigneur, Alléluia, merci pour la Alléluia, grâce que tu merci nous pour fais de la nous grâce que réunir tu nous encore fais, ce matin. Seigneur. Merci pour la Alléluia. grâce de nous connecter encore ce Merci, matin. merci pour la Merci vie, même merci aussi pour pour la la santé, connexion qui merci est pour la parfaite aujourd'hui. liberté, ô Merci Éternel des Seigneur armées. Jésus parce que Merci parce que tu as fait aujourd'hui en la sorte que nous connexion ne sommes nous a pas toujours fait ensemble. défaut. Aujourd'hui, Que ton nous nom avions soit pu béni, parler du Seigneur. début jusqu'à la fin et Alléluia. nous avons été écoutés. Il n'y a pas eu de Merci. bègue. Nous te Amen. disons merci, ô Merci Éternel Seigneur des Jésus armées. parce que tu es Bénis au la contrôle de personne tout. qui est de Alléluia. l'autre côté de l'Internet. Seigneur, que son téléphone soit un La Shekinah parole et déclare, que là son où deux, trois portable sont réunis en ton nom, tu es présent parmi devient nous. la gloire Merci de pour ta Dieu. présence au Éternel, nous milieu te de nous, disons toi qui merci. contrôles Merci maintenant nos pour vies. cette journée que Merci tu as parce que tu ajoutée nous dans notre contrôles. vie, qu'elle soit Alléluia. pour nous un sujet de joie. Sujet de Nous joie et te bénissons pour d'allégresse. la vie que tu nous Alléluia. as donnée. Élève Merci. ta voix, ma sœur, commence à bénir Merci. le nom de Dieu. Dis-lui Merci. merci pour ta Pour la famille. vie de mes enfants, je Dis-lui te dis merci pour merci. tes enfants. Et Et pour l'âge des archanges, je te dis-lui dis merci merci. Quand je regarde à pour ta maman, mon pour grand ton jeune homme, père. je dis Alléluia. Nous merci. élevons J'ai vu le des nom enfants de qui sont Jésus-Christ morts de quand ils sont Nazareth. nés. Mais Alléluia. quand je vois Oh, l'âge élève que ta mes voix, enfants commence à atteignent, bénir le nom Seigneur, de je te Dieu. dis merci Oh, parce que que le tu nom les as de Dieu gardés. soit Tu as béni. renouvelé la Oh, de vie. maintenant Tu as et à renouvelé le jamais, que souffle le de nom vie. de Dieu soit Seigneur, dans ma célébré. maison, Ah, tu as j'attends renouvelé quelqu'un la qui vie de bénit mon le nom mari. de Je te Jésus. dis merci J'attends quelqu'un qui parce bénit que le nom tu de es le Dieu Jésus. qui est au Élève contrôle ta de nos voix, ma vies. sœur, Sois commence à béni, bénir le nom Seigneur. de Sois Jésus. glorifié, Élève Seigneur. ta voix, bénis le nom de Merci, Jésus, Seigneur au Jésus. nom puissant de Au nom Jésus-Christ et de puissant et Nazareth. glorieux de Écoutez-moi, Jésus de bien-aimé dans le Nazareth. Seigneur, la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu est Amen. guidé dans son cœur qui n'a point de péché. C'est un La vrai vérité n'est menteur. point en lui, c'est un vrai menteur. Et la Bible nous dit, si nous confessons par contre nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour Pour nous le nous les pardonner. pardonner, Nous Alléluia. élevons nos voix et nous inclinons devant la présence de Dieu. Nous implorons sa miséricorde dans notre vie. J'attends quelqu'un qui demande La à Dieu de lui fidélité durera pardonner. toujours, Élève Alléluia. ta voix et commence à La confesser ton miséricorde péché durera devant toujours, Dieu. ta bonté Demande durera à Dieu de te toujours. pardonner ce Ta matin. grâce Oh, durera commence à toujours. confesser tes péchés Ta devant grâce Dieu. durera Commence toujours. à confesser tes Je iniquités viens devant Dieu. confesser mes Au nom péchés. de Jésus-Christ de Je Nazareth, reconnais que j'ai péché Seigneur, contre toi et contre toi pardonne-moi. seul. Pardonne-moi pour le Seigneur, mauvais je pensée. reconnais que j'ai mal Pardonne-moi pour agi. le Je pensée des reconnais que j'ai mal fornications. pensé. Pardonne-moi pour le Je pensée de reconnais que parfois l'impudicité. mes pensées me jouent Pardonne-moi, des tours. Seigneur, pour Seigneur, tout je ce qui est reconnais au que j'ai nom de péché contre Jésus-Christ toi de seul. Nazareth. Je Je viens au implore bac ta de ta croix et miséricorde je dans ma viens vie. implorer ton Je implore pardon. ton pardon Je dans ma viens vie. implorer ta Le bonté, ta pardon se miséricorde, trouve ta auprès de miséricorde. toi. La Seigneur, miséricorde se trouve pardonne-moi. auprès de toi. Pardonne mes Seigneur, péchés. pardonne-moi Pardonne-moi. ce matin. Pardonne Je ma me tourne maison. vers toi. Pardonne mon Ayez pitié de mari, moi, pardonne Seigneur mes Jésus, enfants, au nom pardonne-nous. puissant et Oh, glorieux de pardonne tous les Jésus-Christ de gens qui sont Nazareth. connectés en ce moment, au Alléluia, nom puissant de Alléluia. Jésus-Christ de Bien-aimés, Nazareth. nous voulons plaider le sang de Jésus-Christ sur Amen. nous. Nous voulons plaider le sang de Jésus-Christ sur nos familles. Nous voulons plaider le sang de Jésus-Christ sur notre maison. Nous Amen. voulons plaider le sang de Jésus-Christ sur notre lieu du travail. Élève ta voix, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à plaider le sang de J'invite le sang Jésus-Christ de dans ta vie. Jésus-Christ Que de le sang de couler en moi Jésus-Christ ce visite matin. ton corps, Que le sang de depuis le Jésus sommet vienne de me la tête visiter. jusqu'à la Que le plante sang de de tes Jésus pieds. visite mes Que tu sois entrailles, lavé par de le sang de l'intérieur à Jésus. l'extérieur. Lave-moi par ton J'invoque la sang puissance et du je sang de serai plus Jésus. blanc que la Que le neige. sang de Jésus Seigneur lave Jésus, et j'ai besoin de sanctifie, ton me sang. Que ton purifie. sang me Que ton purifie. sang Que me ton lave de sang tout me péché. lave. Que Que ton ton sang sang me me lave
âme plus est blanc que la neige. purifiée Au et nom ton de sang est Jésus-Christ de débarrasse de Nazareth, toutes les peaux j'entends maléfiques. quelqu'un qui Que ton invoque sang le me sang de débarrasse des Jésus-Christ dans tuberies sa vie. digestives, ne glorifie J'entends pas ton quelqu'un qui nom invoque le dans sang mon de corps, dans Jésus-Christ mon dans sa âme, vie. dans ma J'entends quelqu'un qui maison, invoque le dans sang de mes enfants, Jésus-Christ. dans mon mari. Commence à pleurer de le J'invoque la sang de plénitude du Jésus. sang Dans de ta maison, Jésus. tu plais Que de le la sang pluie de de ton Jésus. sang Oh, dans pleure, la vie de coule tes en ce enfants, tu moment. plais de le sang Seigneur, de que le Jésus. mur Nous de ma sommes en maison, train les de pleurer portes, de les le sang de fenêtres, Jésus. les Élève ta toits, voix, les ma sols, sœur. Commence que à tout invoquer le soit sang de lavé, Jésus. inondé, Au nom trempé puissant de par la Jésus-Christ de puissance de ton Nazareth. sang, Seigneur Ah, Jésus quelqu'un dit Christ. avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Oh, Jésus, couvre-moi par ton couvre-moi sang. par ton sang. J'invoque J'invoque la couverture de ton la sang couverture de ton dans ma sang vie. dans ma Que ma vie, vie que ma soit vie cachée dans ton soit cachée sang. dans Que ton ma sang, vie que ma soit vie couverte par ton soit couverte sang. par ton Au sang, nom de au nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ, je sois que tu sois invisible à la invisible sorcellerie de à mes la sorcellerie de ancêtres. mes Au ancêtres, nom de au nom Jésus-Christ, de Jésus-Christ, cache ma vie dans ton cache ma sang. vie par ton Couvre ma vie sang, dans ton couvre sang. ma vie Au dans ton nom de sang, au Jésus-Christ, nom de nous sommes en Jésus, train d'invoquer le sang de Jésus. j'invoque ton sang, Commence à invoquer la cache ma vie dans ton couverture. sang, Que ma vie soit cache ma cachée dans vie ton dans ton sang. sang, Au nom cache ma puissant vie de dans ton Jésus-Christ sang, de Nazareth. couvre ma vie dans ton Alléluia. sang, Nous sommes Seigneur, en train couvre ma d'élever vie dans ton sang, Seigneur, couvre ma vie dans ton sang, le sang, que mes enfants soient couverts dans ton sang, cache ma vie de le mes sang, enfants le dans ton sang. sang, Au nom de et que mes Jésus-Christ de enfants soient Nazareth. couverts, cachés, Alléluia. protégés, Au nom barricadés puissant et dans la glorieux de puissance de ton Jésus-Christ de sang, dans la Nazareth. piscine de ton sang. Alléluia, J'invoque Alléluia. ton sang dans Au ma nom maison, puissant et que mon glorieux de mari soit Jésus. protégé dans ton sang, Alléluia, que mon Alléluia. mari soit Au nom couvert dans puissant ton de sang. Jésus-Christ de J'invoque ton Nazareth. sang dans ma Commence vie, à pleurer le dans ma sang de maison, Jésus. c'est matin, Commence j'ai à besoin pleurer de le ton sang sang. de Jésus. J'ai besoin Commence à de ton pleurer le sang, sang de Seigneur Jésus. Jésus. J'ai Commence à besoin de pleurer ton le sang, sang de Seigneur Jésus. Jésus. Au nom Je plains puissant de de ton sang, Jésus-Christ de au Nazareth. nom puissant de Ah, Jésus. j'entends quelqu'un qui dit avec moi, Saint-Esprit de Le Dieu. Saint-Esprit de Ah, je Dieu, t'invite dans ma je vie. t'invite dans ma vie. Remplis-moi par ton onction. Remplis-moi par ton onction. Remplis-moi par ta plénitude. Remplis-moi par ta Au plénitude. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de j'ai Dieu, besoin de j'ai toi. besoin de toi. Sans toi, je ne peux Sans rien. toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux Sans toi, rien. je ne peux Esprit rien. de Dieu vivant, Esprit de Dieu descends vivant, dans ma vie descends maintenant. dans ma vie maintenant. Colombe du Colombe Saint-Esprit, du Saint-Esprit, trouve en moi trouve en moi internet internet d'atterrissage. d'atterrissage. Reviens, tes colombes. Reviens, Viens, viens, colombe. Colombe. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta plénitude. Remplis-moi de ta Alors plénitude. commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi, Seigneur Invoque-le Jésus. dans ta vie. Colombe de Invoque-le Dieu. dans ta maison. Descends, atterris Invoque-le sur dans moi. ton lieu du travail. Atterris sur ma Invoque-le tête. dans ton église. Atterris dans mon Commence à cœur. invoquer le Pénètre dans Saint-Esprit de moi. Dieu. Le roi L'Esprit de de Dieu Salem. vivant. Roi de L'olive paix. de Dieu. Roi de Commence grâce. à invoquer Pénètre en maintenant moi. l'huile de Donne-moi Dieu. la paix, la J'ai besoin tranquillité. de toi. Donne-moi Au la nom paix, de la Jésus-Christ, tranquillité. comme La paix l'huile dans qui est ma répandue maison. sur la La tête, tranquillité dans qui ma descend maison. sur la Dans mon barbe, couple, qui dans mon va jusqu'au mariage. bord de La paix, vêtements. la Oh, que ton tranquillité. Que le onction me monde ne t'a pas déborde. donné. Seigneur, Que le marque-moi monde par ne ton t'a pas, huile. Saint-Esprit de Marque-moi Dieu. par ton esprit. Je t'appartiens. Saint-Esprit de Que Dieu, tu habites je en moi. t'invoque dans ma Mon vie ce corps est ton matin. temple. Commence à Remplis invoquer le ton corps, Saint-Esprit de Seigneur, Dieu. par Ah, la commence puissance à du sang invoquer de le Jésus. Saint-Esprit de Que la Dieu. paix. J'attends Car la Bible quelqu'un qui déclare, invoque je le vous donne Saint-Esprit ma de Dieu. paix. J'entends Je vous quelqu'un abandonne qui ma appelle le paix. Oh, Saint-Esprit je de me Dieu. réjouis sur Invoque ta le paix ce Saint-Esprit de matin. Dieu. Que ma maison Saint-Esprit, bénéfice viens dans de ma tes vie. bienfaits. Que mon Saint-Esprit, mari viens dans soit ma en vie. paix. Au Dans la nom de Jésus-Christ tranquillité. de Nazareth. Viens dans Que l'entrée, mon Seigneur âme, Jésus. mon corps, Descends, mon esprit habite en soient nous, remplis par ton esprit. possède-nous, Au nom Saint-Esprit de de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous Au dans ta nom de puissance, dans Jésus-Christ ta de splendeur, Nazareth. dans ta Alléluia. magnificence. Au Ah, nom j'entends puissant quelqu'un de qui dit Jésus de avec moi, Nazareth. Saint-Esprit de Saint-Esprit de Dieu, Dieu. descends dans ma vie Descends dans ma maintenant, vie maintenant. comme une flamme Comme de une feu, flamme de et feu. consume tout le Consume dépôt tous les maléfique dépôts que j'ai maléfiques hérité que j'ai de la hérités de sorcellerie la de ma sorcellerie famille. de ma Au famille. nom puissant de Jésus, feu du Feu Saint-Esprit, du Saint-Esprit, visite mon visite corps, mon corps. dépose Dépose ton onction ton et onction et consume le consume dépôt le dépôt maléfique. maléfique. Au nom de Au nom Jésus-Christ de puissant de Nazareth, Jésus-Christ de feu du Nazareth. Saint-Esprit, Feu du Saint-Esprit. visite mon corps Visite mon maintenant, corps maintenant. consume le dépôt de la Consume le dépôt de sorcellerie, la le sorcellerie. dépôt de Le dépôt l'occultisme, de le l'occultisme, dépôt de la le dépôt de la magie qui magie se trouve qui dans se mon trouve corps, dans mon qui se corps, trouve dans mon qui se sang, trouve dans au mon nom sang, de au Jésus-Christ, nom de commence à Jésus-Christ. invoquer le feu de Feu Dieu. du Dans ta Saint-Esprit, maison, tu invoques le feu visite de mon Dieu. corps, Dans ton salon, feu tu du invoques le feu de Saint-Esprit, Dieu. Dans ton lieu visite du mon travail, âme, tu invoques le feu feu du de Dieu. Saint-Esprit, Nous sommes en train visite ma d'invoquer ce maison, matin feu du le feu de Dieu, Saint-Esprit, le feu de viens Dieu. à la Ah, recherche, j'entends quelqu'un qui invoque commence le à feu de Dieu. parier, commence à J'entends quelqu'un qui localiser, invoque le commence feu à de Dieu. chercher, J'entends à quelqu'un qui trouver invoque le tout ce feu qui de n'est Dieu. pas de toi, Fire, qui fire, se fire, trouve fire, dans fire, ma fire. maison, qui se Fire, trouve dans fire, ma fire, vie, qui fire, se trouve fire. dans ma Nous maison, sommes en train mauvaise d'invoquer le feu semence, de qui Dieu. se trouve dans mes Moto, enfants, moto, qui ne moto, confesse moto. pas ton Le nom, feu de Dieu, que le le feu feu de Dieu. embrase, Enlève que ta le voix, feu bien-aimé, dans le embrase, Seigneur. que le Commence feu à invoquer embrase, le feu de que le Dieu. feu Au consume, nom de Jésus-Christ que le de feu Nazareth. dépouille, Au que nom de glorifie pas Jésus-Christ ton de nom, Nazareth. dans ma Au vie, nom soit de. déployé.
au nom de Quelqu'un Jésus. dit avec moi, je lève Je lève la muraille de la fer muraille de du feu Saint-Esprit du tout Saint-Esprit autour de tout autour de moi, moi. au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus de Je Nazareth, lève je la lève muraille la du muraille feu du du feu du Saint-Esprit tout Saint-Esprit autour de moi, autour de au moi. nom de Au nom de Jésus-Christ. La Jésus-Christ. Bible La Bible déclare que je déclare, suis une je suis flamme de une flamme fer, de que feu, celui qui est que en celui moi qui est en soit moi consumé par soit le feu de consumé Dieu, par le que feu les de Dieu. esprits Les maléfiques esprits qui maléfiques opèrent dans ma qui vie, opèrent dans dans ma mon vie, corps, dans mon dans mon corps, âme, dans dans mon mon âme, esprit, dans mon esprit, reçois le feu, reçois le feu, que le démon qui vit dans mon démon qui vit corps dans mon corps, reçoit le feu de reçoive Dieu, le feu de que Dieu, le le feu de Dieu, principauté, que les agents du les diable, agents du les diable, sorciers les qui sont sorciers, dans mon les corps, ceci, soient cela, qui sont consumés dans par mon le feu corps, de Dieu, reçoivent meurent le par feu le de feu Dieu, de le feu Dieu, de feu, tombent tombent eux-mêmes et meurent dans le feu maintenant, de Dieu au nom maintenant, au puissant de nom Jésus, puissant de Jésus, recevez que je le feu, sois une flamme de recevez fer, le feu, le que feu, mes ennemis je soient suis de une la flamme de braise, feu, au je nom de suis une Jésus, flamme de feu, que mes ennemis soient recevez des le feu, bois, et que je sois soyez une les flamme bois, de et je fer, au m'allume nom de maintenant, soyez Jésus-Christ de consumé Nazareth, au que nom le feu de puissant Dieu de Jésus s'allume en Christ. moi, Le feu de Dieu maintenant, au s'allume, nom de le feu de Dieu Jésus-Christ de s'allume, Nazareth, le feu de Dieu allume le feu, s'allume, allume le le feu fer, de Dieu allume s'allume, le feu, allume le le feu de Dieu fer, s'allume, allume le feu, le feu de allume Dieu le s'allume, fer, au allume nom le de feu, allume le Jésus, fer, j'allume au le nom feu, puissant j'allume de le feu, Jésus-Christ, j'allume le j'ai feu, j'allume construit le une feu, muraille de fer alléluia, tout autour de moi, autour de tout moi, autour de ma maison, autour de ma tout autour maison, de mon autour église, de mon personne église, ne peut m'approcher, personne ne peut personne ne peut m'approcher, rentrer, personne ne peut au nom rentrer, puissant de au nom Jésus, que puissant ma de Jésus, vie que soit ma vie barricadée par le soit fer, barricadée que par mon le feu, mariage que mon soit mariage barricadé par soit le fer, barricadée par le feu, commencez-vous que le fer, élève la j'invoque muraille de fer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève la muraille de fer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de... Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je déracine toute mauvaise semence, toute mauvaise racine qui a été semée dans ma vie, par la fondation de ma vie, par la sorcellerie de ma vie, que toute semence du blocage qui a été semée dans ma vie soit déracinée ce matin. Au nom puissant de Jésus, je déracine la semence de la stérilité, la semence de la stérilité, la semence du célibat, au nom de Jésus-Christ. Commence à déraciner maintenant la sémence du célibat, la sémence de la maladie, la sémence de la stérilité, toute mauvaise semence qui a été semée dans ta vie, alors que ce qui devait protéger ta vie, ils étaient en train de dormir. Nous sommes en train de déraciner maintenant, au nom puissant de Jésus. Commence à déraciner maintenant toutes les semences que Dieu n'a pas plantées dans ta vie. Commence à les déraciner maintenant, au nom puissant de Jésus. Commence à déraciner maintenant, au nom puissant de Jésus. Commence à déraciner, commence à déraciner. Ah, j'entends quelqu'un qui déracine, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, que l'homme fort dans ma vie soit lié et précipité dans le lieu aride, que la femme forte qui opère contre ma destinée soit liée ce matin et précipitée dans le lieu aride, que le démon qui combat ma vie soit lié maintenant. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 18, c'est que je lierai sur la terre, sera lié dans le ciel, dans le lieu céleste, sous la mer, sous la terre, au nom de Jésus, tout esprit maléfique qui combat ma destinée, soit lié maintenant. Le démon qui combat ma vie, soit lié maintenant. L'homme fort, soit lié maintenant. Marie spirituelle, soit lié maintenant. Les sirènes qui combat ma vie, soit lié maintenant. Commence à lier maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de lier. Nous sommes en train de lier. Au nom puissant de Jésus. Lier le règne de côte. Lier le règne de mer. Lier maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dans les eaux, nous lions. Sur la terre, nous lions. Dans le lieu céleste, nous sommes en train de lier. Ah, j'entends quelqu'un qui prie. Ah, j'entends quelqu'un qui prie. Ah, j'entends quelqu'un qui prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, c'est Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons recommander ta journée entre les mains de Dieu. Nous prions pour que cette journée soit une bonne journée, que le problème que le diable a planifié devienne des opportunités, que tu passes au-dessus de ce problème, que tu puisses prendre ce problème comme des opportunités, que tu avances. Aujourd'hui, c'est une bonne journée que l'Éternel a fait pour toi. C'est une journée de joie, c'est une journée de porte ouverte, que toutes les portes te soient favorables, ou partout où tu iras, que le Saint-Esprit te précède. Recommande ta journée entre les mains de Dieu, que cette journée soit une journée des rencontres, que tu rencontres de bonnes personnes, pas des gens qui vont venir sucer dans ta vie, pas des gens qui vont venir profiter de toi, mais de bonnes personnes. Appelle la grâce de Dieu dans ta journée, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, éternel Dieu, nous te
les sors nichons. Oh, favorisé nous te et je rendons sois gloire. Oh, gracieuse. merci à Merci toi, le pour Dieu ma de la journée. Bible. Que mes Oh, enfants soient merci à toi, bénis, que Seigneur ma maison Jésus. soit bénie, Oh, que que ton je nom sois soit béni béni. et je sois favorable Au nom au nom puissant de puissant de Jésus-Christ de Jésus-Christ, Nazareth. prends ta main droite, tu mets-les-là dans ton cœur, je veux prier pour toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu, je bénis ton nom parce que tu es Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Les idoles des nations sont de l'or et de l'argent, ils sont l'ouvrage de la main des hommes, ils ont une bouche et ne parlent pas, ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des nœuds mais ne sentent pas, ils leur ressemblent ceux qui le fabriquent et ceux qui se confient à eux, nous nous confions à toi, tu es notre secours et notre bouclier, nous déclarons que la journée d'aujourd'hui, c'est ta journée, une journée de témoignages, une journée de miracles. Que mon frère soit au bon endroit, que ma sœur soit au bon endroit, au bon moment et dans de bonnes circonstances. Que se termine une journée, se termine avec un témoignage dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence de nouvelles choses dans la vie d'une personne. Opère un miracle dans la vie d'une personne. Sois avec celle qui doit être opérée aujourd'hui. Sois avec celle qui est en train d'être en convalescence. Éternel, bénis ton peuple et nous te promettons de te donner toute la gloire. Merci pour la journée d'aujourd'hui. In Jesus' name, Amen, 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 Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous Alléluia. sommes arrivés à la fin. À la Pasteur fin, Honorine, à toi la parole. que votre journée soit bénie. Nous nous rencontrons tout à l'heure à Liège. Donc là, nous serons déjà à 14h à Liège, parce que nous avons déjà des rendez-vous qui commencent à 14h à Liège, au 39 rue Ferdinand Nicolai. Et nous sommes à Ougré. Donc là, nous venons à Liège, dans la ville de Ougré, Ougré-Serein. Donc 39 Ferdinand Nicolai, nous serons là. Tu peux venir nous rejoindre. Nous serons là déjà dès 14h, parce qu'il y a des rendez-vous qui commencent à 14h. Et à 17h, nous avons notre culte de prière, de combat spirituel à Ougré, qui commence de 17h à 19h. Voilà, les rendez-vous est fixé. Demain, nous nous rencontrons encore ici dans Précéder l'Aurore, et nous vous fixons rendez-vous pour continuer les débats, les choses que nous avons commencées. Vous avez posé beaucoup de questions et nous sommes dans l'obligation de répondre, en tout cas par la grâce du Seigneur. Demain, Pasteur Honorine sera là. Demain, Pasteur Honorine sera là. En tout cas, que le Seigneur, le Saint-Esprit nous donne la sagesse et la révélation de comprendre ces choses et de donner la réponse de la part du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Que votre journée soit bénie. Voilà, donc moi je voulais dire encore merci à tout le monde, merci Amen. à tout le monde, et je voulais aussi rappeler le grand rendez-vous que nous avons avec L'homme de l'homme de Dieu. Dieu, le pasteur Henri Bill. Et donc je vois aujourd'hui, il a quitté Congo, Amen. donc Il est il déjà est, rentré. donc il est rentré aujourd'hui, donc il rentre spécialement pour ce programme. Amen. Nous avons 24 heures de prière, 24 heures de prière dans la présence de Dieu, Amen. bien-aimé dans le Seigneur. Donc soyez là, cette journée c'était ça, donc ça sera ta journée. En fait, c'est des journées, mais c'est une journée. Alors, donc, nous sommes là les 17 novembre et les 18 novembre. Et nous rentrons le 17 à 18h pour sortir le 18 à 18h. Donc, c'est vraiment des journées dans la présence de Dieu. Nous t'invitons, soyez là. Invite une personne, invite un membre de ta famille. Nous qui précédons l'aurore, nous serons là. Nous serons là pour passer du temps dans la présence de Dieu, parce que le jour se succède, mais elle ne se ressemble pas. Je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi pour la journée du 17 et du 18, mais je prie que tu sois là et je dis que tu ne regretteras pas pourquoi tu aurais fait ces déplacements. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse, Amen. Que Dieu bénisse vos familles, que Amen. Dieu bénisse vos familles, vos entreprises. Amen. Nous vous aimons beaucoup et nous vous donnons rendez-vous demain matin, à partir de 6h jusqu'à 7h, avec le couple apostolique Honorine et Bolavi Isa. Nous sommes là pour vous servir. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Non, 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 non,